Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Un de nos articles en vitrine vous plaît? Tout me plaît, mais je ne veux rien acheter. Je représente de jeunes artistes et je crois que leurs créations peuvent vous intéresser. Oui, tout ça est très joli, mais ma patronne, madame Dutertre, a déjà ses fournisseurs. Vous comprenez? Je comprends très bien et madame Dutertre les choisit avec beaucoup de goût. Mais je pense que ces modèles peuvent lui plaire. Écoutez, je vous laisse deux ou trois choses et vous lui montrez. Ce foulard, par exemple, et aussi ce collier. Et cette ceinture. Oui, si ça vous fait plaisir. Mais n'y comptez pas trop. Je suis très optimiste et je crois que j'ai raison. Je vous téléphonerai dans deux ou trois jours. Oh, à propos, excusez-moi, je cherche la parfumerie Le Bain Bleu. Je crois que ce n'est pas loin, vous connaissez? Oui, je vais vous expliquer. Vous allez tout droit jusqu'à une poste et vous tournez à gauche. Vous faites une centaine de mètres. Vous tournez à droite. Il y a une boucherie qui fait le coin de la rue, c'est la rue Sensier. La parfumerie est en face d'un garage Renault. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Vous êtes déjà passé il y a quelques jours, n'est-ce pas? Oui, je suis Julie Prévost. J'ai aussi téléphoné hier. C'est au sujet d'accessoires créés par de jeunes artistes, des modèles uniques. Ah oui. Oui, en effet, j'y ai jeté un coup d'œil. Je vous ai apporté d'autres pièces. Ça vous donnera une idée plus complète de leur travail. Oh, elles sont très jolies, ces boucles d'oreilles. Vous permettez? Chérie, viens voir ces boucles d'oreilles. Elles me plaisent beaucoup. Moi, je ne les aime pas trop. Ce n'est vraiment pas ton style. Comment ça, c'est pas mon style? Elles me vont très bien, ces boucles d'oreilles. Madame a raison. Elles lui vont très bien. Et de plus, c'est un modèle unique, créé par un jeune artiste. Et elles valent combien, ces merveilles? Vous permettez quelques instants. Mademoiselle, vous pouvez m'accompagner dans mon bureau? Bonjour. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux pronoms compléments d'objets indirects, les COI. Un complément est indirect s'il y a une préposition entre le verbe et lui. Par exemple, les boucles d'oreilles plaisent à la dame. Regardez et écoutez d'autres exemples. Un de nos articles en vitrine vous plaît? Tout me plaît, mais je ne veux rien acheter. Dans les deux phrases, « vous » et « me » sont des compléments d'objets indirects. Le COI de la première et de la deuxième personne ont la même forme que les COD. Attention! À la troisième personne, la forme change. Regardez. Mais je pense que ces modèles peuvent lui plaire. Dans ce cas, lui remplace la patronne. Ces modèles peuvent plaire à la patronne. Récapitulons. Regardez le tableau. Les pronoms des deux premières personnes sont semblables. À la troisième personne, nous opposons les COD, le, la, les, au COI, lui et leur. Regardons la scène. La vendeuse explique à Julie. On peut transformer cette phrase en « la vendeuse lui explique ». Lui est un COI. Mais, ça intéresse Julie. Cette phrase devient « ça l'intéresse ». Elle apostrophe est un COD. Voici deux exemples de pronoms de la troisième personne. Suivez la transformation. On téléphone à Pascal et Julie. On leur téléphone. Mais on voit Pascal et Julie. On les voit. Encore une fois, attention à la place des pronoms avec l'impératif à la forme affirmative. Comme dans le cas des COD, ils se placent après le verbe à l'impératif de forme affirmative. Me et te deviennent moi et toi. Explique-moi, lui et leur ne changent pas de forme.
Téléphone à Julie. Téléphone-lui. Téléphone à Julie et Pascal. Téléphone-leur. À bientôt. Regarde, moi je les trouve très jolies ces boucles d'oreilles. Moi aussi. Eh bien, pas moi. Viens voir, ces boucles d'oreilles sont vraiment faites pour moi. Oui, c'est vrai. Elles te vont bien. Tu trouves? Ces boucles d'oreilles, c'est tout à fait mon style, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait toi. Moi, je ne trouve pas. Vous permettez quelques instants? Vous pouvez m'attendre un instant? Excusez-moi, je reviens tout de suite. Excusez-moi, je n'en ai pas pour longtemps.